Bonjour chers apprenants, je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Comme toujours, nous allons poursuivre notre voyage de pensée ce matin et l'objet d'apprentissage de ce jour s'intitule Le fonctionnement de la logique et nous allons étudier de façon particulière, le fonctionnement du discours logique. C'est pourquoi, à la fin de cette séquence portant sur le fonctionnement du discours logique, l'apprenant de la classe de terminale doit être capable d'expliquer. Tout le fonctionnement du discours logique au travers de l'exposé du professeur. Alors, bien avant, chers apprenants, nous allons faire une petite rétrospective pour essayer d'examiner ce que nous avons étudié en amont. Plus précisément, l'historique de la logique. Bien, chers apprenants, au cours précédent, nous avons dit que la logique, voilà, la logique vient du mot grec logos. vient du grec logos qui veut dire discours discours parole raison Bien. Et elle se définit comme la théorie du raisonnement correct. La logique désigne la théorie du raisonnement correct. Voilà. La théorie du raisonnement correct dans la recherche de la vérité. Alors, la logique a une longue histoire. Elle est née au quatrième siècle avant Jésus-Christ. 4e siècle avant Jésus-Christ, Jésus chez Aristote. Bien, mais de son vivant. Le mot logique n'existait pas. Aristote parlait de la syllogistique ou de l'analytique pour dire la science du syllogisme. Syllogistique. Aristote parlait de la syllogistique. Ou de l'analytique. Alors, le mot logique est apparu au IIIe siècle avant Jésus-Christ chez les Stoïciens. Donc, du vivant d'Aristote, ce mot n'existait pas. C'est bien après que ses commentateurs se sont rendus compte qu'en réalité, ce que Aristote appelait euh, syllogistique si ou analytique n'était autre que la logique. Voilà pourquoi il est considéré, Aristote bien sûr, comme le père de la logique. Bien. Alors, après cette logique chez Aristote, qui sera qualifiée de logique formelle, au XIXe siècle, il y a eu une autre forme de logique, la logique dialectique. Cette logique dialectique sera basée sur la contradiction. Autrement dit, c'est l'antipode de la logique formelle. Et au XXe siècle, logique... formel avec Aristote, au XIXe siècle avec Hegel et Marx, nous avons la logique dialectique. Et au 20e siècle, on assiste à la naissance d'une autre logique. Formelle, qui n'est autre que la logique symbolique. La logique symbolique ou la syllogistique, ou la logique formelle ou l'axiomatique. Autrement dit, cette logique utilise des symboles comme en mathématiques. À ce niveau, il n'y a pas de différence entre un mathématicien et un logicien. Les deux ne font plus qu'un. Alors, de ces trois types de logiques, notre étude sera focalisée sur deux logiques, à savoir la logique formelle et la logique dialectique. Alors, cela dit, nous allons revenir sur l'objet de notre apprentissage. Nous avons dit que le cours sera porté sur le fonctionnement du discours logique. Donc, petit 1. Le fonctionnement du discours logique. D'abord, que signifie fonctionnement? Fonctionnement, c'est le fait de fonctionner. Alors fonctionner ici est synonyme de marcher. Synonyme de marcher. Alors. Autrement dit, et voici la question qu'il faut se poser, comment fonctionne le discours logique? Quels sont les éléments constitutifs du discours logique? À base de quoi et en fonction de quoi on peut construire le discours logique? J'espère que vous avez déjà noté. Nous allons effacer ces écrits. Alors, le discours logique fonctionne à base de trois éléments, à savoir le concept. Le jugement, et enfin le raisonnement. Le raisonnement. Ce quoi le concept Astéliste? Le concept. Alors, le concept se définit comme une idée générale et abstraite permettant de désigner une certaine réalité. Idée générale et abstraite. permettant de désigner une certaine réalité. C'est pour dire que nous ne voyons pas le le concept non c'est une saisie mentale de quelque chose alors le concept lui est constitué de deux éléments à savoir l'extension et la compréhension donc dans un concept nous avons L'extension et la compréhension. Alors, ce quoi l'extension L'extension désigne l'ensemble des êtres dont le concept explique. Autrement dit, l'ensemble des êtres désignés l'ensemble des êtres désignés par cette idée, c'est-à-dire le concept. Tout à l'heure, nous allons prendre des exemples pour rendre cela explicite. La compréhension. La compréhension désigne l'ensemble des caractères permettant de définir le concept. Ensemble des caractères définissant le concept. Voilà. Alors, chers apprenants, lorsque nous parlons donc dans le langage, l'expression du concept est le terme. Donc, lorsque nous parlons en lieu de place du concept, nous utilisons ce mot, terme. Donc, concept égale terme. Alors, revenons sur ces deux éléments. L'extension est là compréhension. Et nous allons mieux comprendre cela à partir d'un exemple. Ou encore des exemples. Je prends le concept arbre. Arbre. Le concept dieu. L'arbre en tant que tel n'existe pas. C'est cette idée que nous avons des espèces des arbres. L'arbre. Donc, personne, personne ne peut voir l'arbre. Sinon, un arbre, autrement dit, une espèce de l'arbre. Alors, quelle est l'extension du concept Arbre, nous avons l'ensemble des espèces des arbres, comme la l'acajou, le limba, l'eucalyptus, le manguier, le safoutier, l'avocatier, ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la compréhension du concept arbre, nous avons... Les racines, nous avons. Le tronc, nous avons. Les branches, nous avons. Les feuilles, les fleurs, les fruits. Oui. Le concept oh? ⁇ Dieu. Le concept ⁇ Dieu. L'extension du concept ⁇ Dieu, c'est quoi Père, fils, Esprit Saint, si vous êtes chrétien. Et la compréhension du concept de Dieu. Nous avons l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, ainsi de, ainsi de suite. Alors, nous allons passer au jugement. Donc, deuxième astérisque, le jugement. Alors, ce quoi le jugement Le jugement, c'est l'acte par lequel on établit une relation déterminée entre deux ou plusieurs concepts. l'acte d'établir une relation, donc un lien, une relation déterminée entre deux ou plusieurs concepts. Alors, c'est pour vous dire que le jugement est formé de quoi? Le jugement est formé des concepts. Sans concept, pas de jugement. Mais l'expression verbale du jugement est la proposition. Donc, lorsque nous parlons en le place du jugement, nous utilisons le mot proposition. Alors, si. Le concept a deux moments, l'extension et la compréhension. Le jugement ou la proposition présente trois éléments, donc trois concepts, à savoir le sujet, le prédicat. le prédicat ou l'attribut. Et enfin, une copule verbale. Voilà. Donc, le jugement a trois concepts. Un sujet. Ce quoi le sujet? Le sujet, c'est l'être dont on affirme ou nie quelque chose. L'être dont on affirme ou nie quelque chose. En français, on vous dit, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Le prédicat ou l'attribut Le prédicat, c'est ce qui est affirmé ou nié du sujet. ce qui est affirmé ou nié du sujet. Un sujet, l'être dans, voilà, l'être dans ton affirmant, voilà, l'être dans ton affirmant ou ni quelque chose. C'est pour dire que le discours logique n'a que deux, deux qualités, l'affirmation et la négation. Si vous n'affirmez pas, c'est que vous niez. Le prédicat ou l'attribut, ce qui est affirmé ou nié du sujet. Et enfin, une copula verbale. C'est un verbe. Mais quelle est la fonction de ce verbe? Sa fonction est de lier ou de relier le sujet et le prédicat. Donc, ce qui marque l'union. Voilà. Ce qui. Lit le sujet au voilà ce qui lit le sujet au prédicat. Et en français, par exemple, on vous dit une phrase complète a trois parties. Il y a le sujet, il y a le verbe et le complément. Alors le complément ici, c'est quoi? C'est le prédicat. Maintenant, le verbe, c'est la copule. Quelle est la fonction du verbe dans une phrase française? Le verbe sert à unir le sujet et le complément. Donc, c'est la même fonction ici. Alors, nous allons prendre un exemple. Pour mieux assimiler, pour mieux assimiler, le jugement. Mais attention, au départ, nous avons dit, le jugement ou la proposition est l'acte par lequel on établit une relation déterminée entre deux ou plusieurs concepts. On dit une relation déterminée. Alors, cette relation peut être de convenance ou de disconvenance. C'est pour dire qu'il y a deux types de relations, la convenance et la disconvenance. Donc, nous allons prendre des exemples en fonction de ces deux types de relations. J'espère que vous avez fini de noter le concept. Donc, nous allons effacer pour illustrer le jugement. Voilà. Exemple. Mais exemple pluriel. Je vais vous donner deux exemples. Le premier. Dieu est immortel. Ou encore, tout homme est mortel. Voilà, tout homme est mortel. Tout homme est mortel. Alors, si vous regardez cette proposition, elle est composée de trois éléments, de trois concepts. Le sujet. Donc, l'être dont on affirme quelque chose ici, c'est l'homme. Donc, l'homme, c'est le sujet. Je mets S. Alors, qu'est-ce qui est affirmé de l'homme C'est mortel. Donc, mortel, c'est le prédicat. Ce qui est affirmé de l'homme ici, c'est mortel. Donc, mortel, c'est le prédicat. Alors, qu'est-ce qui permet d'unir le sujet et le prédicat? Regardez bien au milieu. Nous avons l'auxiliaire être. Si on dit tout homme mortel, est-ce que cette phrase, cette proposition aura un sens Non. N'aura aucun sens. Donc, ce qui donne sens ici, c'est l'auxiliaire être. Parce que c'est grâce à ce verbe que le sujet a un rapport avec le prédicat ou le prédicat a un rapport avec son sujet. Donc, être. Encore un, c'est là la copule verbale. Alors, regardez bien, chers apprenants. Nous avons parlé de deux types de relations la relation de convenance et la relation de disconvenance. Lorsque vous lisez soigneusement, minutieusement cette proposition, tout homme est mortel. Est-ce que la mortalité cadre avec la nature de l'homme, est-ce que tout homme est appelé à mourir? Bien sûr que oui. C'est pour dire que la relation qui existe ici est celle de convenance. La relation de convenance. Bien. La deuxième relation va correspondre au deuxième exemple. Dieu n'est pas mortel. Dieu n'est pas mortel. Alors, quel est l'être dont on nie quelque chose? L'être dont on nie quelque chose. Pourquoi nier? Oui, parce que la proposition est à la forme négative. Donc, l'être dont on nie quelque chose ici, c'est Dieu. Donc, Dieu, c'est le sujet de cette proposition. Qu'est-ce qui est nié qu de Dieu C'est mortel. Donc, mortel, c'est le prédicat ou l'attribut. Alors, qu'est-ce qui unit le sujet et le prédicat C'est toujours l'auxiliaire être. La copula verbale. Alors, lorsque nous regardons Dieu, et Dieu, même si nous ne le voyons pas, il est invisible spirituel. Alors, est-ce que la mortalité cadre avec la nature de Dieu Je dirais non. Dieu n'est pas mortel, Dieu est immortel. Alors, c'est pour dire que la relation ici n'est pas celle de convenance, mais plutôt la relation de disconvenance. la relation de disconvenance. Si je disais Dieu est immortel. Dieu est immortel. Alors, c'est quoi le sujet Le sujet c'est Dieu. Le prédicat ou l'attribut, immortel. Mais qu'est-ce qui unit les deux, ces deux concepts Dieu et l'immortalité, c'est l'auxiliaire être. Alors, à ce niveau nous ne parlerons plus de la relation de disconvenance, nous parlerons de la relation de convenance. pourquoi? parce que l'immortalité cadre ou convient à la nature de dieu. voilà. après le jugement ou la proposition, nous avons le raisonnement. le raisonnement. Bien. J'espère que vous avez déjà pris note. Nous allons effacer au fur et à mesure pour remplacer les éléments, les éléments nouveaux. Alors, le raisonnement, c'est quoi le raisonnement? Chaque jour, vous dites à vos amis, vos condisciples, oh, je suis en train de raisonner, tu n'as pas bien raisonné, mais c'est quoi le raisonnement? Certains vous allez dire le fait de raisonner, mais ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais que signifie raisonner Bien, en termes clairs, le raisonnement n'est autre que l'argument. Le raisonnement. Donc, lorsque nous parlons, en lieu place du raisonnement, nous employons le terme argument. En logique, puisque nous sommes en logique, oui, les logiciens ont leur place de l'argument utilisant le terme inférence. Mais je préfère utiliser le terme argument avec vous. Donc, un raisonnement est un argument. Alors, lorsque vous rédigez vos dissertations, que ce soit en français, en philosophie ou encore en histoire-géographie, vous utilisez des arguments alors comment argumentez-vous est-ce que une seule phrase peut faire l'objet d'un argument non non pour que vous ayez un argument il faut absolument associer plusieurs phrases or ici en logique nous n'utilisons pas le mot phrase en lieu-place de, de la phrase nous utilisons le terme jugement ou proposition c'est pour dire que le raisonnement est composé de plusieurs propositions sans proposition pas de raisonnement et en ce moment là comment définir le raisonnement le raisonnement se définit comme cette opération mentale qui consiste de tirer une conclusion à partir des jugements donnés. Autrement dit, une suite de propositions aboutissant à une conclusion. une suite logique de propositions aboutissant à une conclusion. Et l'expression verbale du raisonnement avant nous dit c'est l'argument. Alors chers apprenants, il existe plusieurs manières de raisonner. Autrement dit plusieurs types de raisonnement, entre autres on peut citer la déduction Alors, c'est quoi la déduction C'est un raisonnement qui part du général au particulier. Donc raisonnement allant du général Au particulier. Je prends un exemple très simple. Tout homme est mortel. Or, tout Congolais est homme. Donc, tout Congolais est mortel. Et je suis parti de quoi? De la généralité, de l'ensemble des humains pour aboutir au Congolais. Donc, les Congolais, par rapport à l'ensemble ou par rapport à l'humanité, ne sont que des particuliers. Autrement dit, la classe des Congolais se trouve incluse dans la classe de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas que des Congolais qui sont des hommes. Il y a des Français, des Chinois les Américains, les Ivoiriens, les Algériens, les Camerounais, bref, j'en passe. À côté de la déduction, il y a aussi le raisonnement inductif, autrement dit l'induction. Et l'induction, c'est l'exact opposé de la déduction, c'est-à-dire ce raisonnement qui part du particulier au général. Voilà. Raisonnement qui part du particulier au général. Donc, on part d'un cas particulier pour faire quoi Pour généraliser. Un exemple très simple. Il y a un élève qui commet. Le surveillant arrive, il identifie l'élève. C'est un élève de l'ATIA 5, par exemple. Un seul élève a commis. Le second dit puisque cet élève est en TA5, cela signifie que tous les élèves de la TA5 sont ou tous les élèves de la TA5 doivent être punis. Donc au lieu de punir celui qui a commis, on punit tout le monde. Donc on déduit le comportement de la classe à partir d'un seul individu. D'ailleurs, c'est la méthode utilisant les sciences expérimentales. Par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin quand il vous reçoit, ou euh, lorsque on met, on veut mettre sur le marché un produit pharmaceutique, mais on ne sait pas avec tous les individus. On essaie chez un individu, et lorsqu'on se rend compte que l'individu retrouve l'embonpoint, c'est-à-dire sa santé, en ce moment-là, on peut appliquer. Ou utiliser le produit pour soigner tous les humains. C'est pour dire que l'on part d'un individu, donc de la maladie d'un individu, de l'organisme d'un individu, pour généraliser l'ensemble des individus. C'est ça l'induction. Et enfin, on a assez. Nous allons prendre le raisonnement par analogie. Alors ce raisonnement s'établit par rapport à quoi Par rapport aux ressemblances. Par rapport aux ressemblances. Donc on tient compte des traits communs entre deux choses. Bon, à côté de l'analogie, on peut également parler du raisonnement par l'absurde. Quand on veut prouver la véracité, la validité d'une proposition en montrant que son contraire est faux. Voilà. Alors, le raisonnement, nous avons dit, est composé de propositions. Or, la proposition elle-même est constituée de quoi De concepts. C'est pour dire que le raisonnement est l'assemblage de plusieurs concepts. Alors, chers apprenants, nous sommes en logique et tout est ordonné. Au départ, nous avons quoi Nous avons le concept. L'union entre deux ou trois concepts donne le jugement. L'union entre deux ou trois jugements donne le raisonnement. Donc, tout est ordonné. Vous ne pouvez pas avoir un raisonnement sans proposition et une proposition sans concept. Alors, Chers apprenants, sur quoi apporter la séance de ce jour La réponse est là au tableau. Nous venons d'étudier le fonctionnement du discours logique. Et qu'est-ce qu'il faut retenir Le discours logique fonctionne à base de trois éléments essentiels. Le premier. C'est le concept que nous avons défini comme une idée générale et abstraite. On ne voit jamais un concept. Non, jamais un concept. Et j'insiste, on ne voit jamais un concept. C'est une idée qui regorge les espèces. Et l'orange? Je vais parler du foui. Fou voilà le foui. Fou on vous donne des pièces va acheter le fruit. Mais vous allez acheter quel fruit? Quel est ce fruit qui s'appelle le fruit? Il n'existe nulle part. Donc, fruit, ici, n'est qu'une idée générale, n'est qu'une idée qui régorge l'ensemble ou les espèces de fruits. À côté du concept, nous avons le jugement. Donc, L'ensemble de deux ou trois concepts forme le jugement. Et l'expression verbale du jugement, c'est la proposition. L'assemblage de deux ou trois propositions donne le raisonnement. Et l'expression verbale du raisonnement est l'argument. Donc, lorsqu'on vous demande de raisonner, cela signifie que vous allez argumenter. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Et, un argument doit avoir au minimum, bien au minimum, trois propositions. Au minimum. Or, lorsque vous rédigez vos devoirs de dissertation, je vous en prie, vous ne raisonnez pas, vous n'argumentez pas. Je prends un exemple très simple. Le nègre est-il inapte à la réflexion philosophique Voici ce que vous écrivez Le nègre est sauvage et barbare. C'est pourquoi Eguelo écrit. Mais vous n'avez pas raisonné quand vous dites le nègre est sauvage et barbare. Ce n'est qu'une idée, c'est une proposition. Oui, mais faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres propositions. Voyez, faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres propositions qui doivent vous emmener vers quoi Vers une conclusion. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez appuyer votre argument avec la pensée de Hegel. Donc, si vous vous limitez à cette phrase, il ne faut pas dire que vous avez raisonné, que vous avez argumenté. Non, ce n'est pas un devoir de dissertation. Le devoir est tellement squelettique. Or, ici, il est question d'approfondir votre idée à partir des propositions qui vont dans le même sens pour que vous ayez un argument digne. De ce nom. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre séance du jour. Alors, prochainement, nous allons étudier les moyens à travers lesquels la logique fonctionne. Et ces moyens sont au nombre de deux, ces démarches. Il y a la démarche formelle et la démarche dialectique. Mais le cours prochain va porter sur la démarche formelle, ce que nous avons appelé un peu plus haut par la logique formelle. Et c'est le petit 2. La logique formelle. Avec qui Aristote. Alors, à ce niveau, nous aurons deux points à étudier. Nous allons commencer par la définition de la logique formelle. Donc, petit a, voilà, pas petit a, mais petit a. Définition. Voilà, chers apprenants, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage de pensée. Il ne faut pas oublier les mesures barrières pour arrêter la pandémie à coronavirus.